Salut chers abonnés, heureux de vous revoir encore aujourd'hui dans cette vidéo. Je tiens à signaler que cette vidéo n'est pas nouvelle, c'est une vidéo que j'ai déjà lancée sur YouTube, ça fait plus de 2 ans. Mais vous avez été nombreux à réclamer le son, voilà pour la raison pour laquelle je l'ai refait. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer cette solution naturelle pour raffermir vos seins qui sont tombés suite au stress ou suite à l'allaitement maternel. Donc, sans plus tarder, j'aurai juste besoin de feuilles de l'aloe vera. J'aurai besoin de glaçons et de l'huile d'olive naturelle. Donc, après avoir prendre votre bain, vous allez prendre des glaçons comme ça. Vous massez très bien doucement dans vos seins, dans chaque sein. Si toucher le glaçon, ce serait difficile pour vous, vous les mettez dans une serviette légère, pas comme le mien. Donc, vous mouillez d'abord le serviette pour faciliter que le froid puisse vraiment sortir. Donc, vous mouillez la serviette et puis vous mettez des glaçons à l'intérieur. Vous commencez à masser vos seins. Comme je l'ai fait sur la vidéo, donc en montant et en descendant sur le côté, donc même 2 minutes chaque sein. Et puis après, laissez que le froid puisse absorber, le sein puisse absorber le froid, pardon. Et puis mettez de l'huile d'olive dans vos mains, un peu plus que ce que j'ai mis. Frottez-les jusqu'à les chauffer et puis commencez à appliquer sur vos seins. Appliquez bien l'huile d'olive. Un peu plus que ce que j'ai mis, donc de gauche à droite, de haut en bas, sur le côté, bien appliquer l'huile d'olive. Et puis après, vous aurez besoin de votre aloe vera que vous allez prendre juste une portion que vous voulez utiliser. Et puis vous aurez juste besoin du gel. Donc, ce gel à l'intérieur de la feuille est plus efficace que le gel que vous allez trouver sur le supermarché ou que vous pouvez, je vais vous montrer tout de suite. Donc, ça serait mieux de faire comme ça. Vous grattez la partie que vous voulez utiliser à l'instant et puis vous l'appliquez très bien dans vos dessins. Donc, le soir ou le lendemain, vous coupez encore une autre portion, vous faites le même exercice. Donc, voilà, vous allez juste prendre la gel comme ça et puis appliquer dans vos seins. Donc, comme ça, c'est plus efficace parce que le gel est dans son lit. Et dans sa feuille, quand c'est dans sa feuille, c'est plus efficace. Et si vous ne voulez pas faire le même exercice chaque jour, vous pouvez découper votre aloe vera en morceaux, récupérer les gels comme ça et puis les creuser. Donc, après avoir obtenu votre gel comme ça, vous pouvez mettre du vitamine C à l'intérieur pour que ça ne puisse pas changer de couleur et puis les garder au réfrigérateur. Mais je vous conseille la première méthode de juste utiliser le gel venant directement de sa feuille. C'est plus efficace que celle-ci. Donc, comme je vous avais dit, j'ai fait cette vidéo pendant les traitements. Donc, ça a vraiment marché pour moi, raison pour laquelle je me suis décidée de venir les partager avec vous. Donc, ça dépend d'une personne à une autre. Ça peut prendre 1-2 mois. Donc, ça dépend d'une personne à une autre. Faites-les quotidiennement. Même
une ou deux fois par jour jusqu'à ce que vous aurez les résultats souhaités. Comme je vous l'avais dit que je viendrai pour vous montrer mes résultats finaux, parce que là, je venais d'arrêter avec l'allaitement de mon premier bébé, pardon. Mais je ne suis pas revenue parce que j'ai encore eu mon deuxième bébé. Je viendrai parce que je l'ai encore recommencé. Après ça, je viens de vous montrer mes résultats finaux. Donc, quant à moi, je vous retrouve prochainement. Bye. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Merci.